Selon les informations de Public, Émilie Neff-Neff est bel et bien célibataire. Elle se serait séparée de Bruno Sorella et souhaite tourner la page de son passé. Aussi a-t-elle pris la décision de faire un peu de changement dans sa vie, à commencer par sa coupe de cheveux. À lire aussi Timothée, Les 12 coups de midi, confidence sur sa vie sentimentale. C'est la relation de ma vie, c'est la relation de ma vie Mulu Gainsbourg, et son coup de foudre pour Lilou, c'est la relation de ma vie plus belle la vie, Patrick Neubomor. Le coup de théâtre de la production. La maman de Maëla, 5 ans, et Manzo, 3 ans, fruit de ses amours avec le footballeur Jérémy Méné, a en effet opté pour un carré court. Un nouveau style qu'elle n'a pas tardé à dévoiler sur ses réseaux sociaux, et qui a séduit ses abonnés. Afin de faire savoir qu'elle souhaite changer de cap, Émilie Neff-Neff a cité Coco Chanel, une femme qui se coupe les cheveux, est une femme qui s'apprête à changer de vie. Elle n'en a pas dit plus pour le moment. Ce que l'on sait, c'est qu'elle continue à aider ceux qui le souhaitent à perdre du poids, notamment grâce à sa marque de produits minceur Le Secret by Émilie. Le Public peut aussi la retrouver actuellement dans Les Anges 10, sur Énergie 12. La belle brune de 30 ans a accepté de s'envoler pour Los Angeles, afin d'aider Sarah Fraisou à perdre 10 kilos. Une tâche qui n'était pas toujours facile, comme elle l'a confié à Pure Peuple, mon rôle était d'aider Sarah Fraisou à perdre du poids. Sauf qu'elle avait déjà vu quelqu'un pour lui donner des conseils, donc c'était assez compliqué car elle était butée. Du coup, je ne me sentais pas trop à ma place.